on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et la première vidéo de Noël. Donc je suis vraiment trop contente, je kiffe cette période. Et quoi de mieux que de commencer cette mini-série de vidéos en vous proposant 10 idées originales et de cadeaux à recevoir ou à offrir qui sont vraiment pour tous les goûts, pour tous les prix, pour tous les âges et pour tous les sexes, donc hommes et femmes. Donc j'espère vraiment que vous allez trouver votre bonheur et que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, si elle vous intéresse, c'est parti. Je vous conseille les mini imprimantes portables comme celle-ci de chez Fujifilm. Donc celle-ci c'est l'Instax Share SP2 qui imprime en format Polaroid. Donc ce sont de mini Polaroid de bonne qualité, vraiment avec le papier Polaroid, etc. Et celle-ci est portable. Aujourd'hui il en existe des plus petites, également les HP qui font des photos en format comme ça, carré. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Et en deuxième choix, mais cette fois-ci vraiment je pense pour une personne qui kiffe la photographie, je vous conseille cette imprimante de chez Canon. Donc c'est la Selfie CP1300 et elle est vraiment topissime. Toutes les photos que vous voyez là en background ont été imprimées avec cette imprimante. Vu que c'est Canon, c'est de la trop bonne qualité, vraiment. Par contre, elle n'est pas portable, elle se branche, enfin c'est une prise en fait. Donc il vous faut de l'électricité et ça doit être posé. Et il y a énormément de fonctionnalités avec cette imprimante. Elle fonctionne à la fois avec les cartes SD, les clés USB et en Wi-Fi. Donc je pense que si vous voulez faire un cadeau qui plaît énormément à une personne qui fait de la photographie ou quoi que ce soit, cette imprimante est top ici. La deuxième catégorie c'est la décoration et je pense que là, libre à votre imagination, vraiment il y a plein de choix possibles. Personnellement je vais vous donner 3 idées. Donc déjà la première idée, c'est une bougie mais pas n'importe laquelle car c'est une bougie où à l'intérieur se trouve un bijou. Il existe plein de marques, My Jolly Candle, Jewel Candle, vous avez vraiment beaucoup de choix avec des senteurs différentes. Et à l'intérieur il y a des bijoux Swarovski, donc il y a des boucles d'oreilles, des bracelets et des colliers avec des valeurs différentes. Vous pouvez choisir la taille, le type de bijou que vous voulez, enfin voilà, il y a vraiment plein de choix possibles. Toujours dans la même catégorie, le deuxième objet c'est les plaids. Je pense qu'un très joli plaid, très grand et très doux, de très bonne qualité, ça peut faire énormément plaisir. Je sais que moi l'année dernière j'en ai reçu un qui est topissime, qui vient du site La Maison Bino. Il est hyper grand, il prend tout mon lit. Je vous montrerai, il est jaune moutarde et je kiffe le jaune moutarde. Choisissez en fonction du goût de la personne, mais si la personne aime tout ce qui est cocooning, cosy, etc., ça fait grave plaisir à recevoir. Et sinon le troisième et dernier objet dans cette catégorie qui commence un peu à se connaître, ce sont les roses éternelles. Donc celle-ci c'est celle de La Belle et la Bête et elle est vraiment top parce qu'en plus à l'intérieur de la cloche il y a une guirlande qui s'allume, donc ça fait de la lumière. C'est vraiment trop beau, vu que c'est une fausse rose, bah vous l'avez toute l'année en objet de déco, ça fait grave plaisir à recevoir, c'est hyper beau, hyper cocooning, surtout qu'en plus bah je vais éviter de la casser. Mais en dessous il y a du bois, enfin voilà, il y a vraiment plein de choix possibles sur plein de sites différents, avec des paillettes ou non, avec guirlandes ou non. Et pour la troisième catégorie, c'est un petit pack écolo, donc je l'ai appelé comme ça pour toutes les personnes qui souhaitent passer au côté écologique ou même qui y sont déjà. Donc le premier objet, c'est soit un thermos, soit une bouteille en inox. J'ai trouvé un site qui est trop bien, on peut faire nos propres bouteilles. On choisit la couleur, la taille, on peut graver des trucs, etc. à des prix vraiment très abordables. Et je pense que ça peut faire plaisir vraiment à tout le monde. Autant un sportif que quelqu'un qui va à son travail, mais également à des étudiants. On connaît les galères à la cantine, personne ne va remplir le bro et c'est très relou. Mais voilà, je pense que ça peut faire plaisir vraiment à tout le monde et c'est hyper utile. Le deuxième truc qui est vraiment atypique, c'est ma mère qui m'en a parlé et j'ai trouvé ça vraiment top. C'est le film alimentaire en cire d'abeille, donc il est réutilisable plusieurs fois, donc c'est juste parfait. Le troisième truc qui peut vraiment faire plaisir à tout le monde, c'est un tote bag, c'est très connu. Donc autant pour les petits enfants, les ados, les parents ou les grands-parents, pour aller faire vos courses, aller en cours, sortir ou quoi que ce soit, les tote bags c'est cool, ça évite de prendre des sacs en plastique, c'est pratique, c'est hyper solide, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs, de toutes les matières, et encore une fois c'est zéro déchet. Et la quatrième et dernière chose dans ce petit pack écolo, ce sont les pailles en inox. Donc au lieu d'utiliser des pailles en plastique qui se jettent et qui ne se recyclent pas, donc qui polluent énormément la planète, on va commencer avec la lecture. Donc si vous savez que la personne à qui vous allez offrir un cadeau kiffe lire, adore ça, il y a plein de possibilités. Donc vous pouvez tout à fait lui acheter une Kindle. Si vous voulez mon point de vue sur les Kindle ou les livres papier, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite dans le petit en haut à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez vous conforter dans votre choix et avoir un avis extérieur. Et si vous n'avez pas les moyens par exemple d'investir
dans une Kindle à part entière, vous pouvez tout à fait acheter l'abonnement Kindle. Par contre, si vous connaissez très bien la personne et que vous savez qu'elle n'aime pas lire en électronique, vous pouvez tout à fait lui acheter des livres, une collection, un roman qu'elle a l'habitude de lire, une catégorie de livres qu'elle kiffe. Vous pouvez tout à fait lui acheter ça. D'ailleurs, je vous conseille le petit duo de livres Funplay et Funplay 2 de Morgan Bikai. Et toujours dans les livres, si vous savez que la personne n'aime pas lire en électronique mais préfère les livres papier, mais que vous savez pas ses goûts, mais que vous savez qu'elle aime lire, vous pouvez toujours acheter une carte cadeau dans une librairie d'un montant de votre choix, et comme ça la personne pourra choisir ses livres. Au moins vous êtes sûr que ça lui fera plaisir. Toujours dans la catégorie loisirs, mais cette fois-ci dans la musique, il y a plein de possibilités, notamment les enceintes. Donc ça, c'est la JBL Flip 4, donc c'est la mienne, elle est trop bien. Et sinon, autre possibilité, si vous kiffez pas trop les enceintes, la musique très forte, vous pouvez toujours investir dans les écouteurs sans fil. Et sinon, vous pouvez toujours offrir des places, donc de concerts, de théâtre, de spectacle à une personne. Je pense que ça peut vraiment toujours faire plaisir. Si vous savez que le chanteur ou le groupe d'une personne passe très prochainement dans sa ville, une place de concert, ça fait toujours plaisir. Aller voir un spectacle en famille ou avec des amis, c'est pépite, et du théâtre également. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment faire plaisir si vous connaissez encore une fois les goûts de la personne. Donc si vous avez une personne dans votre famille ou dans votre entourage qui kiffe voyager, qui adore découvrir de nouveaux horizons, partir tout seul, en groupe, à deux ou peu importe, il y a plusieurs possibilités, notamment les voyages avec les destinations mystères, ça c'est ouf. Et sinon, si vous voulez plutôt offrir un petit week-end détente dans une ville pas très loin de chez vous, dans votre pays, etc., mais que vous voulez faire plaisir à la personne ou à des personnes en particulier, vous pouvez toujours offrir les coffrets week-end Wonderbox ou autres coffrets. Mais voilà, il en existe plusieurs et je pense que ça peut vraiment toujours faire plaisir. Enfin bref, voilà, j'espère vraiment que ces 10 idées de cadeaux vous plairont et que vous allez peut-être trouver le cadeau parfait pour une personne. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le faire comprendre en l'aimant. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Dites-moi dans les commentaires les vidéos que vous aimeriez voir pour Noël sur ma chaîne. Et également à me rejoindre sur mon Instagram, c'est très important. Des fois, je vous fais participer à des vidéos, je vous demande vos avis, etc. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Noël. Bye tout le monde! Feel alive when I'm in this town.